Bonjour, bienvenue pour un autre épisode de Tennis Elbow 2013. Nous sommes en finale du tournoi de Sydney. ATP 250, gros tournoi jusqu'à maintenant. Matosevic sorti en première ronde. Nalbandian, l'Argentin, en deuxième ronde. Après ça, qui qu'on a affronté déjà? C'était Kevin Anderson, le Sud-Africain, 6-2, 6-3 pour les quarts de finale. Et Michael Laudra, le Français, 6-4, 7-6. Quel match difficile, en fait. J'aurais tellement pu me faire prendre le deuxième set. Il menait 5-3, il servait pour le deuxième set. Et concours de circonstances, un peu de chance, j'ai remonté la pente et ça a été même difficile sur le tie-break, mais quand même, j'ai bien tenu. Et puis, il a fait quelques erreurs de service. Il a été moins efficace au niveau de la précision. J'en ai profité. Et me voilà en finale. Alors que je pensais affronter Nadal en demi, que je pensais affronter Murray en finale, me voilà contre Juan Monaco, qui m'a quand même battu en 3-7 l'année passée. 6-2, 6-2, 6-3. Donc, bien hâte de voir ça. C'est quand même le match le plus facile que je peux m'attendre, mais c'est quand même le quatrième favori du tournoi. C'est quand même un top 20. C'est un bon joueur. Donc, ça aurait pu être plus facile encore. Donc, et voilà, et voilà, et voilà. On joue ce match-là. Eh bien, je vous dis à tous, je vous souhaite un excellent match. Plus 0,26. En plus, il est très en forme. Donc, ça va être difficile. Je suis sans doute meilleur que la dernière fois que je l'ai affronté sur terre battue. Et j'ai intérêt à servir des as aujourd'hui. Pour l'instant, ça tient. Très rapide, mais... Oh boy. Faut pas qu'il touche. Ça va très bien. Ah, putain, pourquoi ça a touché le net? Je commence déjà à avoir des difficultés avec le net, là. Ah non. Ok, c'est un zéro. On essaye de tenir ça, là. Vraiment pas intérêt à faire des longs échanges avec lui, il va me dominer. Faut vraiment que je sois en forme. Ouah, ça sera pas facile encore une fois ce match-là. C'est encore plus dur que contre Laudra, j'ai l'impression. Ok. Okay. Peux pas faire grand chose là-dessus, moi là. Il me retourne des retours comme ça tout le temps, là. Je vais faire mon possible, tout simplement. On verra ce que ça donne, mon possible.
Je sers à la perfection, puis je me fais taper. J'imagine si ça commence à aller mal. Pas de break. 30-40. Ça va tellement vite. C'est fou. You. Advantage service. Game player Ok, deux. one. Fifteen 15-15. J'arrête de courir n'importe comment là. Ça fait difficile. Cours pis cours là. Second service. Second service. You. 40-40, je dois faut pas que je lâche ce point-là. Ah. Advantage service. Là-dessus, impeccable. Ah, ouais, bon à coup, l'avait là. Vraiment là. Vraiment pas. Vraiment difficile ici. Love 15. S'il commence à être embarqué dans son match, là, je vais avoir vraiment de la misère. Sortir de sa zone de confort. Joueur au 30. Love 13. Les services sont pas aussi efficaces qu'au début en plus, là. Ah ben 3 balles de break. Pas servi si mal que ça, c'est juste qu'il capte tout là. Tellement fallu que je sois efficace pour sortir cette balle-là ici. J'ai pas de marge de manœuvre du tout là.
Eh non. Hey! Et c'est le break. Game player 2. Bon, coup droit ici. Low 15. C'est drôle. Des fois, il y en a que j'ai l'impression qu'ils jouent vraiment au-dessus de leur experience. Autant que j'avais sorti un Lubicic à 1600, puis d'autres joueurs à 1600, autant que j'ai mené un match tellement difficile contre Aspelin, là. Oh! Merde! 30-30, c'était une bonne chance ici. Ah, okay. 50 service. J'ai carrément figé encore une fois. Ça m'achète en train de me passer en dessous des doigts encore une fois. Ah, je vais finir par les avoir ce match-là. Moi, j'ai pas gâché mon match contre Del Potro, là. Ah, oh, c'est pas fini, là. Yeah. Oh, je suis plus solide que ça, ça c'est sûr. 15-30. J'étais rentré dans son jeu là, puis c'est vraiment pas comme le début de match là. Encore une balle de break. Revers plein de lignes et pour le bruit. Et la sortante qui pouvait juste pas être mieux placée que celle. Mais encore une bonne sortante. Monaco qui a mon numéro présentement. Trois balles de 7, c'est bon. 30 points contre 17. En plus, j'étais à 92% en premier service. Qu'est-ce que je peux faire de mieux de ce côté-là? Je le sais pas. Ah! Ça peut juste être pire. 15-love. Plus de précision peut-être, je sais pas. Dur premier set pour la morale, c'est vraiment dur pour une finale. Vraiment dur à prendre en fait. Thank you.
15-30. C'est pas comme si je pensais avoir une chance de revirer la situation de côté, là. En tout cas, on va Ça essayer. J'ai va bien. déjà fait ça contre Robredo. Ah. Il était moins 15, efficace que 30. ça, Robredo, par contre. Bon, première qui passe plus. Excellent service ici. 30-40. 30-40, une balle de break de sauver. 50 service. Le décroisé était parfait ici. Balle de break contre moi. Troisième du jeu de service. Qu'est-ce qu'on fait là? On y va pour la centrale. Et un as, très important. Pour essayer de rester en vie dans ce match-là. Bien important ici de essayer de ne pas perdre ce jeu-là de service pour commencer. Ouais, sixième as. Game player one. Oh là là. 2-6-1-0. Ah, oh, que ça va bien. Et juste à l'extérieur pour Monaco. 15-0. Argentin Monaco très solide. 15 love. Je dois impérativement croire en moi là. C'est possible de le faire. Une cadence là, infernale. Wow. Ok, 2-1. C'est pas pire que mon match de Roland-Garros, en tout cas. Faudrait que ça soit mieux, par contre. Mais c'est vrai que j'ai toujours l'impression que j'étais un petit peu plus solide sur le terre battue, sans savoir vraiment pourquoi, là, mais je suis plus à l'aise. Oh!
$40. C'est à peine rendu au net, ça. Prochain match. Open d'Australie. J'ai hâte de voir le tirage au sort. Où est-ce que je vais être classé? Ah. Game player 2. Bon, 2 à 2. $15. Ok, 30-0, ça va bien. Ah non! C'était-tu dans le terrain ça? 30-15. Je pense que c'était juste en fond de ligne. Ah, aïe aïe aïe. Oh, oui, bel effet. Ça marche plus des fois que mes premières balles, c'est fou quand même. Oh, bel as, tiens. 3-2. Game player 1. On reste dans ce match-là. Si je le brisais, ça sent encore mieux. 15-0. Second service. Oh, à l'extérieur, grosse faute, 40-15. J'étais un peu sans mots, je... Game player 2. J'ai vraiment un mal de fou dans ce match-là. J'arrive vraiment pas à suivre le rythme, en fait. 15-0. Ah ben c'était un beau revers long de links. C'est rare que ça fonctionne là, mais... dans un match comme ça en plus, là, ça vaut de l'or ça. Ah! C'est tellement profond encore une fois. J'essaie de renvoyer ça sortant, on va essayer de la faire plus à plat cette fois là. Variation. Plus. Ah oui, 4-3. Game player 1. T'es encore dans le match. Gros revers de Monaco. Il prend en position. Ah ouais.
coup droit qui surprend mon adversaire. Oh bon sang là. 13-15. On peut demander mieux comme service. Ah. Et en plus. Wow. 12e as de Monaco. Pratiquement un autre as. Bon service. On va essayer de le faire sur le T cette fois-là. 13-15. Bon, j'ai un petit peu moins d'as que Monaco quand même, mais... Ah! De ce côté-là, je me défends quand même aujourd'hui. 13-15. Ah! Mais quel retour, c'est! 13-15. Je l'ai débordé en plus de ça, là. Sublime. Je sors un coup de fou rendu à 4-4 là. Aïe aïe. Oui. Il y a un gros coup droit. Si peu de coup droit gagnant aujourd'hui. 14. Oui, on est à 5-4. Game player 1. Aïe 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 aïe. 15 love. Second serve. Monaco qui livre un excellent match. Ah. 13 love. Encore une fois, là. J'y pouvais pas grand chose là. Je regarde le show là-dessus de Ghost Folk. Là. Juste out, mais c'est 40-15 quand même. Quel volée là. Qui ressemble à un amorti là, c'est fou là. 11e as, 217 celui-là, il était pas pour être attrapé. C'était rapide, mais. Ça va, c'était bon, mais le coup d'après, là. Non. Vraiment pas. Vraiment pas l'auteur. Qu'est-ce que je fais là? J'essaie de contourner le coup avant de sa frappe, mais la frappe arrive pas. Grosse gaffe, encore une fois. Là. Ça va être trop anticipé. Là. Ouf. Une des rares fautes de Monaco. Là. Deuxième as. 30-30. Balle peut-être de 6-5.
Très solide, Monaco. Advantage service. Je tiens le coup. Ouais. You. Ah, gros revers, c'est... Wow. Complètement raté, sortant d'ici. Avantage Monaco. Ok. Ah, complètement manqué encore une fois. Là. Pas le temps. Game player 2. Ah. Et célébré. Au pire moment du match. Mais il a tellement bien joué. Là. Ah, là. Mais quel coup droit là. Ouf. Ok, là, c'est... Ah non. 30-0 Monaco. Terrain, non! Balle de match, 3 balles de match. First service. Yep, j'ai fait ce que je pouvais. C'est quand même mieux que US Open. Pas encore suffisant. Pas encore suffisant. Game set match, we are cool. Bon, 69 points contre 48, c'est pas l'hécatombe non plus. Moins 9, lui plus 10, donc bon. Il a été supérieur, on va se le dire direct comme ça. Bon match de Monaco, vainqueur de cette ATP 250 de Sydney. Bravo à mon adversaire. Très solide Monaco. Fallait que quelqu'un me donne la leçon avant l'Australie. Donc, j'ai perdu les deux premiers tournois de l'année en finale quand même. En finale. Donc, c'est quand même encourageant. Bon début de saison tout de même. Donc, me revoilà 21e au classement technique. C'était d'ailleurs mon classement de fin de saison. Donc, je vais aller voir Djokovic a battu Federer à l'autre tournoi de Auckland. Bon, on va faire le tournoi à l'Open d'Australie, ça c'est certain. Au niveau du classement, 1675 points, donc je crois que c'est le plus de points que j'ai eu. Je dépasse tout juste Montanès et Querrey. Beaucoup de tournois à jouer, moi là. Donc, sinon, bon, j'ai Monaco, c'est celui que j'essaie de dépasser à la fin de la dernière saison. Qui est un petit peu en avant de moi, bien sûr. De toute façon, j'aurais été 21e pareil, en gagnant ou perdant le tournoi. En finale, je veux dire. Donc, Monaco, ben, il a gagné deux places. Ça lui a quand même aidé de gagner le tournoi. Lubicic est rendu 20e mondial. Je suis pas très loin de lui. Il y a Gulbis qui est pas loin non plus. Donc, j'ai peut-être une fenêtre d'opportunité bientôt pour arriver position 18 environ.
Donc, on verra. Sinon, il y a beaucoup de travail à faire. Je pourrais éventuellement rejoindre le top 15, peut-être. Et après ça, là, c'est vraiment beaucoup de travail pour aller jusqu'au top 10, là. Donc, on s'entend qu'il faut 500-600 points peut-être à aller chercher. Top 15, je pense que c'est un objectif faisable cette année. Peut-être un petit peu plus, mais voilà. Pas loin de la dixième, peut-être, on verra. Ça dépend. Ça dépend. C'est beau être ambitieux, mais faut pas être fou. Donc, l'année passée, la Vivo Tennis Cup, si, que j'avais fait. Bon, qu'est-ce que j'avais fait, moi? J'avais fait plusieurs challengers ici. J'avais pas fait un super de bon tournoi, j'imagine, l'année passée ici. Bon, je suis rendu où, là? Ah! Bon. Peux-tu voir le... Alors, je vais pas à Vivo Tennis Cup, là. Mon but, c'est de faire l'Open d'Australie. Donc, bon, ben, il va me manquer beaucoup de points, parce que... Ben, c'est ça. J'ai pas le temps de m'entraîner. Donc, je suis beaucoup plus lent. Beaucoup moins fort en service, beaucoup moins fort en coup droit, beaucoup moins fort partout. Mais j'ai 85 XP. 85 XP qui vont me servir beaucoup éventuellement. Mais là, je vais peiner sur l'Open d'Australie. Ah mon Dieu, que je vais peiner. Donc, me voilà contre Nalbandian. Bon, ça devrait être pas si mal contre Nalbandian en Australie. Après ça, Donald Young ou faux? Donald Young, est-ce que c'est un bon Donald Young ou je l'ai déjà battu l'année passée, Donald Young. Ouais, on verra, ça dépend sa forme actuelle, Nalbandian, ok. Sinon, j'ai Feliciano Lopez peut-être au troisième tour. Ça va être un défi pour moi. Mais regardant le tableau comme ça, j'ai quand même des chances de me rendre au troisième tour. C'était quand même le but à la base. Ou avoir un petit peu plus de chance, mais c'est sûr que j'affrontais un des favoris. J'aurais pu affronter quelqu'un d'autre que Feliciano Lopez, genre Roddick, Ljubicic, Söderling. Certains m'auraient peut-être été plus favorables, mais bon, on verra. De toute façon, il faut commencer par gagner ces matchs-là contre Nalbandian et peut-être Donald Young. C'est pas fait encore. Donc, on va se battre au prochain épisode contre l'Argentin David Nalbandian, que j'avais battu 6-3-6-2 lors du tournoi de Sydney. Donc, là-dessus, on se dit à la prochaine et on se voit pour la première fois au Grand Chelem d'Australie. Donc, n'hésitez pas à me suivre, abonnez-vous sur ma page, vous pouvez liker si vous avez aimé la vidéo. Donc, à la prochaine. Bye.